quelques grands points qui ont dominé l'actualité, avec un focus, avec une attention sous pays d'Haïti, et puis il y a l'autre gros point tout dans l'actualité internationale. Là, nous avons fait un coup d'œil rapide sous élection aux États-Unis avec président démocrate Joe Biden et ancien président républicain Donald Trump, et puis il y a élection tout dans pays la Russie avec une victoire haut la main de Vladimir Poutine, et puis il y a une réaction qui sortit à travers le monde. Félicitations parmi eux et la Chine, et puis tout, il y a une critique qui fait tout, par exemple, notamment l'Allemagne, qui dit que pas de gagner, il y a un choix vraiment dans l'élection. On parle d'abord de pays d'Haïti. D'abord, dans le moment où on a parlé là, il y a une réunion qui pourrait le faire sous Haïti dans les Nations Unies. Il y a l'autre fois encore, les Nations Unies a réuni sous problème pays d'Haïti, et d'après une personnalité qui pourrait le faire partie, qui pourrait le parler dans la réunion ça, eh bien, il fait qu'on est que pas gagné, c'est pas question CARICOM dans Cap-Vigné. Nous connaissons que projet CARICOM, non, c'est projet CARICOM avec toute l'autre et communauté internationale, notamment les États-Unis, la France, Canada et Mexique et Brésil même. Eh bien, ils ont même été, ouais, un collège présidentiel de transition de 7 membres, mais et d'après toute tractation qu'a fait yo, 7 membres l'anglais jusqu'à présent, yo pourquoi qu'a joigné, surtout avec les partis que yo te mette là-dedans yo, qui yo même décliné, ou bien ça qui gagne problème interne qui pas permettre que yo capable vraiment proposer yo membre. Donc tout ça fait yon impasse pour projet ça. Donc c'est pas ça qui pral décider, qui pral discuter jodi a dans Nations Unies. Et son réunion qu'a faite à huis clos, donc avec toute porte fermée, donc la presse pas gagné et occasion, opportunité pour le capable et participer, j'avais dit présent en discussion qui pral le fait yo. Et cependant après réunion a gagné et comme d'habitude yon personnalité ou bien même mon porte-parole de Conseil Sécurité Nations Unies qu'a gagné pour venir prendre la parole pour le dire exactement ça qui sorti. Éventuellement tout ça qui était discuté dans la réunion. En allant pays d'Haïti avec point chaud qui gagne dans l'actualité dans le pays d'Haïti, c'est définitivement ça en pile moun relé en carnage. Yon carnage avait dit côté que grand pile moun qui mourit dans Pétionville et grand pile chiffre qui sorti dans un premier temps, il était parlé de 10. Dans un second temps, il y a des médias qui parlaient de 20, mais il y a une source que nous capables de faire confiance qui parlait de 24 moun. Qui t'a mouri moun que yo joine dans la rue ben en san yo avec tout bal nan yo et te gen tout matin gros panique nan Thomasin nan la boule avec nèg armé qui continue à simer la terre yo pillé yo entré yo tué. Donc mais situation qui jan lié nan Pétionville nan Thomasin dans la boule. Donc Pétionville c'est côté que moun ouais et en pile cadavre dans la rue, et puis Thomasin avec la boule, c'est là que monsieur gang Améo, m'pa konn si m'dwe di monsieur dame gang Améo, et qui yo même et ben y a simé la terre. Et puis l'autre point que nous capable signaler, et ben gagné plusieurs côtés dans pays a qui levé campé pour plusieurs raisons. Par exemple, là, dans Grandance, n'a pas gain pour aller dans Grandance. Grandance, côté que Mounio a demandé, et Guy Philippe, parce que pendant que, CARICOM a planifié pour un collège et présidentiel de 7 membres, mais tout, gagné, yon lot, et groupe qui a demandé, yon équipe de 3 membres avec Guy Philippe dans tête li. Et c'est comme ça, nous, n'a pas gain pour nous, pita, yon reportage, que journaliste Mackenson Charles pote pour nous et lui-même lui parle nous de moun qui prend la rue qui a demandé pour Guy Philippe. Nous connaissons que Grandin Sébastien et Guy Philippe. Et puis et il y a pas l'empile de révolution, c'est on nous que nous tendons pile, on mot que nous tendons pile. C'est aussi nous tendons l'embaucher ancien rebelle, ancien sénateur élu Grandin et Guy Philippe qui parlait de révolution et nous tendons le tout dans main dans voix et leader Petite Dessalines, ancien sénateur Moïse Jean-Charles, nous tendons le tout dans bouche Jimmy Cherizier, alias Barbecue, et qui lui-même c'est porte-parole Vive Ensemble, qui réunit yon paquet de groupes armés, yon tout parlé de révolution, donc c'est aussi yon parlé de révolution, yon en mode révolution dans pays d'Haïti.
Faut dire que police nationale a tout mené une action contre gang ABO et bilan moun pas trop connaît et bilan et est-ce que gen moun qui t'a mouri bon côté police nationale ou bien bon côté chef gang yo, mais nous pas une note officielle sous question sous intervention que la police a fait. Pendant ce temps gen réseau yo qui ou bien que yo attaqué yo ou bien que yo météo en difficulté, c'est dans zone métropolitaine Port-au-Prince là, et donc par exemple yo parlé de centrale Vareux, et ou bien yo détruit yo ou bien yo météo dans situation côté que yo pas capable et fonctionner. Bah connait ça Jean-Marc Hervé Abelagain, mais n'a continuer nous saluer tout le monde qui branché dans Facebook là. Jodia nous connaît que Jean-Robert Philippe l'y trouve du côté de la République Dominicaine parce que nous connaît VOA Creole tout côté information et n'a pas. Par exemple Jodia nous gain Valerio Saint-Luc qui dans Nations Unies, nous gain Valerio Tessotti Porto Rico côté que d'après nouvelle et d'après la Maison Blanche que Premier ministre Ariel Henry taillé, malheureusement monsieur pas gain occasion opportunité pour te rencontrer avec Premier ministre haïtien Ariel Henry et il était passé tout en Jamaïque et côté que il était couvert pour nous réunion CARICOM qui était faite réunion d'urgence CARICOM qui était faite là avec présence et secrétaire d'État américain Anthony Blinken et qu'on a nous voyait Jean-Robert aller pour VOA Creole lui-même il trouvait en République Dominicaine. En République Dominicaine premièrement c'est République voisine c'est tout près Haïti pour plusieurs raisons gagnent déportation massive d'après information qui vient joindre nous cap fait de République Dominicaine pour entrer dans le pays d'Haïti et puis tout t'es gon question qui t'a parlé donc ça relé un pont humanitaire yo fait ça en général dans les guerres pont humanitaire t'a permettre que yo poté et assistance humanitaire by pays d'Haïti à partir de la République Dominicaine pendant que tout et aéroport international tout ça l'ouverture là li fermé et nan au cap même d'après correspondant l'autre bois qui Gérard Maxino eh ben t'a semblé que t'es pas t'a semblé mais gagnien et avion qui vient chercher des ressortissants américains n'a bon reportage puis t'as sous ça avec correspondant nous l'autre bois correspondant nous dans département nord là Gérard Maxino. Donc situation aurait été très compliquée dans pays d'Haïti avec en pile violence et dernier contact que nous prenons avec Port-au-Prince fait qu'on est que eh ben gonti calme dans Pétionville, gonti calme dans Thomasin avec la boule côté que matin eh ben ça t'est chauffé sérieusement et avec Pétionville tout qui chargeait avec sang avec moun qui mourit et qu'on joigne cadavio un peu partout. Pendant ce temps, tractation yo a fait et CARICOM pour qu'on sorti en note officielle sous question et installation pour conseil présidentiel de transition. Donc c'est un conseil présidentiel qui n'en impasse ou bien formation n'en impasse. On ouvre rapidement quelques points dans actualité internationale là. Gagné d'abord élection ici aux États-Unis 2024 là son année électorale pour les États-Unis et tout porte à croire tout le monde capable ouais que eh ben ou sur route pour gagner ça aurait yon en anglais aurait le rematch en français aurait le remake mais son l'autre face à face qui pral gagner encore entre président démocrate là qui au pouvoir n'a parlé de Joe Biden il pral gagner pour gagner en face li yon l'autre fois encore ancien président républicain Donald Trump et tous les deux personnalités ça tous les deux candidats ça eh ben yo même yo té en campagne et l'autre charré l'autre c'est pas charré non charré ça veut dire yon prend plaisir sous l'autre et deux monsieur yo c'est deux personnages âgés et on met en pile accent sous ça dans élection américaine le côté que électorat a parlé de l'âge de et monsieur Sayo et Joe Biden et d'abord gagné Donald Trump qui gagne 77 ans et Joe Biden gagne 81 l'année donc on différence de 4 ans donc et Donald Trump qui plus jeune parce que Joe Biden de 4 ans et ben il prend plaisir sur le même genre tout avec et Joe Biden tout qui prend plaisir sur Donald Trump lui dit ah l'autre moi même non on c'est pour minimiser et Donald Trump donc c'est pour aller en l'autre face à face encore rendez-vous c'est pour année ça donc 5 novembre c'est élection présidentielle ici aux États-Unis et ou mettre branché sous VOA Creole n'a pas toute séquence
Depuis comment c'est jodi a arrivé jusqu'à 5 novembre et même après tout n'a bon ça qui a passé et ça rentré dans tradition VO à créole côté information et nous là. Et puis l'autre point dans actualité internationale qui est très important à côté de Gaza qui toujours dans centre actualité a avec guerre Israël Hamas là mais tout gagner tout invasion la Russie dans pays Ukraine. Donc l'autre point c'est élection qui fait dans le pays la Russie. Eh ben président Vladimir Poutine remporte le haut la main, il pral gon l'autre mandat encore pour le diriger 6 ans pour le diriger pays la Russie. Donc puis réaction qui sorti après victoire ça, gain notamment l'Allemagne qui lui-même lui dit que eh ben son élection que pas prend trop au sérieux parce que pas de gain choix vraiment. Et que même opposition, pas de vraie opposition, vraiment, donc l'Allemagne dit pas de gain choix. Gen l'autre monde qui réagit, par exemple, gen Nalvania Nalvani, qui c'est madame, nous songez, Nalvani qui était mouri dans prison. Et bien, madame nan dit comme ça que, Vladimir Poutine, lui dit, m'a répété mot pali, son gangster tueur ou bien tueur et gangster. Gen l'autre tout, gen l'autre pays qui félicite, gen l'autre pays ou l'autre personnalité tout qui félicite et président Vladimir Poutine, gen Nicolas Maduro qui c'est président gauchiste pays Venezuela qui félicite Vladimir Poutine, gen Inde qui félicite et Vladimir Poutine tout et puis gen la Chine, li même tout li et félicité n'a parlé de Pékin, la Chine qui félicite Vladimir Poutine. Donc en gros, c'est grand point qui a dominé actualité a et dans le monde et pita nous bon rendez-vous dans rendez-vous info pour capable joindre dernier grand point qui a dominé actualité non seulement ça me saute abordé avant yo mais en pilote qu'on a rappelé que nous gain envoyé spécial nous Jean-Robert Philippe si nous parlons Jean-Robert Philippe là côté mia et ben connaît que dans Panyol il y a République Dominicaine côté que l'a regardé qui gens situation est par rapport à pays d'Haïti nous rappelons que gain deux points qui fait qui expliquer que Jean-Robert l'autre bois d'abord gagne question de pont humanitaire là bien que gon officiel République Dominicaine qui questionnait et causait ça et puis tout avec et l'autre question encore c'est déportation ou y a voyons paquet haïtien retourner dans pays d'Haïti sorti dans Panyol donc c'est point ça yo avec l'autre encore n'a gain pour approfondir pour avec image pita dans rendez-vous info merci pour attention nous merci pour fidélité nous remercions tout le monde qui recommence cette semaine de travail là avec nous. Mais pas oublier, nous avons plusieurs plateformes, même si nous pas en direct, mais nous avons l'autre plateforme qui a fait nous information de première main, information qui a fait confiance. Et c'est tout ça. C'est ça, VOA Créole. Merci. Moi, c'est Jacques Lambélizère. Bonsoir. Ok, bon, on y a. Vous entendez, moi, là, on y a là. Bon, on y a là. Alors, mes amis, continuez là. Nous n'en d'ailleurs bon. Et je n'ai pas de là. Je dis assez lundi, son jour marché binational. Ils sont marché entre République Dominicaine avec et d'Haïti, mais son marché qui fait sous frontière du pays. Yo. Mais son et d'après ça, regardez là, moi remarque qu'il y a plus de commerçants, qu'il y a plus haïtiens qui l'acheter. Que Dominicains qui cachent dans les haïtiens. Il y a plus de Dominicains qui vendent que les haïtiens qui viennent vendre. Et Dominicains, sous point ça, sont très, très rigides. Surtout les policiers dominicains qui là, qui contrôlent qui ça qui sorti. Parce que les commerçants haïtiens, ce n'est pas tout le bagage qui est capable d'acheter là. Et il y a des restrictions sur ces deux produits, par exemple, du riz. Bon, du riz que les haïtiens n'ont pas venir là, ils n'ont pas acheter. Il va cacher. Là, ma monte nos activités qui vient là, ça c'est mon qui a sorti du côté haïtien et il a sorti du côté haïtien même pour yo à lâcher en République Dominicaine. Mais non va avec gain fille gain garçon, mais gain plus fille que garçon qui dans activité ça. Et là c'est moins bail face côté n'a regardé des do là c'est face Haïti. Si on regarde un petit peu plus loin après drapeau haïtien. Alors, bon me dit nous qu'il y a ça y est qu'on y a la souveraineté. Donc marché ça son marché qui fonctionne deux fois par jour, deux fois par semaine.
Moi t'ai pas là, on se parle en responsable policier qui là. Et ça lui dit nous lui dit que marché binational là pas fonctionné 3 fois dans semaine là. C'est seulement 2 fois. Mais il dit activité commerciale entre Haïti et République Dominicaine surtout zone frontalière là, lui fonctionne chaque jour. C'est-à-dire que les gens qui dans zone frontière, ils trouvent une traversée là, ils achètent des bails aux besoins, etc. Donc c'est comme ça que ça est. Donc il dit que pas grand problème entre Haïti au point de vue commercial, mais que l'activité était un genre ralenti dernièrement, mais ils ont commencé à reprendre encore bon après incident. Pour ça concerne la sécurité et autorité dominicaine ça qui sont peut-être gardien responsable sécurité dans un an. Et bien ils disent nous et que ils ont renforcé et mesures sécurité. Et alors, qui vient d'expliquer ça, il dit, si au côté de 2 chefs qui t'a fait poste, ben, on mettait 3. Si t'as gagné 4 chefs, ou bien si t'as gagné 4 chefs au côté qui gagnent 3, t'as gagné 2 qui t'a pris un repos, eh ben, on fait une pour un repos, il augmente. Donc, il augmente en présence sous frontière là. Donc, c'est ça qui baille. Mais il dit, en principe, il n'y a pas à prendre aucune autre mesure. Et excepté qu'il y a beaucoup plus vigilant en qui est-ce qu'il rentre, qui est-ce qu'il sorti. En principe, au point de vue immigration, pas de monde qui sorti là, pas de monde qui rentre parce que l'immigration, techniquement, l'immigration fermée. Gagné, pendant que je suis sorti Santiago de Los Caballeros pour arriver là, eh bien, moi, j'étais une machine haïtienne qui t'a traversé là, qui t'a venu. Alors, machine haïtienne, ça y est, il y a une machine d'isadeur. Alors, je me suis demandé à un monde qui est plus ou moins impliqué dans superviser ou bien encore chercher protéger les Haïtiens, surtout les petits dérapages qu'ils ont fait et qu'ils ont voyagé pour assurer que ne pas faire Haïtien abus. Eh bien, je me suis dit, bon, pas vraiment, et que machine haïtien traversée à l'acheter, à chercher comment penser de commerçants haïtiens. Donc, et, mais c'est seulement chauffeur qui est autorisé à le chercher produit ça. Alors, comme un sang haïtien, quelque chose à côté de l'IA, les passe commandes, et les passe commandes, camion haïtien, ou bien encore autobus haïtien, traverser, la chercher, elle vient avec. Et cela, pas grand limite, non, là, elle est très loin, parce que machine, moi, j'ai rencontré moi-même, qui était bien haïtien là-dedans, la machine était très loin. Mais il a sorti très loin. Donc, les mouvements sont en garde, moi, il a venu. Donc, c'est ça que va. Donc, comment dis-nous, VOA sur place, nous venons là, nous venons souvent, nous venons justement, nous venons garder avec nous, nous venons voir qui j'ai activité et qui ça, cap dit et qui ça cap fait sous activité frontalière là, sous qui ça cap fait, qui j'en va y aller. Et, mais nous gardons que jusqu'à présent, et, bah, il n'y a pas un moment normal pour nous. Normal en ce sens que, pas rien laisser frapper, c'est seulement activité ou nous seulement, c'est seulement, et monde qui vient acheter et qui peut aller. Mais garde dominicain là, il y a contrôlé. Il y a des monde qui sont dedans, ils ont contrôlé ça côté là. Par exemple, banane pas sorti là, banane dominicain pas sorti. Mais fig banane non sorti. Ça veut dire fig mûr ou bien fig banane, ils ont quitté le sorti. Mais banane lui-même n'est pas sorti. Il y a du riz dominicain qui pas sorti et qui pas sorti tout. Et, mais au quitter le tout. Donc nous allons essayer de continuer, nous allons essayer de virer et vidéo pour nous peut-être nous décagons une idée plus ou moins de qui gens à qui activité au yé. Sinon nous allons regarder, nous allons regarder façade haïtienne, nous allons regarder toute quantité de monde qui peut aller. Ça y est, monde qui sont achetés pour aller là. Monde n'a pas regardé là, et monde qui finit acheter et qui peut aller. Donc nous allons avoir en pile activité et monde qui a monté descendre et c'est monde qui sont achetés et monde qui peut aller acheter. Donc, il y a pile d'activité là, je veux dire, il y a pile d'argent et cap brassé là. Sur le plan politique là, par exemple, nous, beaucoup, ouais, nous, en fait, nous espérons là, c'est avant, ouais, et immigration ou bien encore autorité dominicaine vient déposer haïtiens que tu as arrêté, monde que tu as déporté. Mais jusqu'à présent, nous parlons. Mais ça ne veut pas dire qu'elle pas existé. Et d'après ça, on responsable dit moins, et de temps en temps, machine dominicaine vient déposer immigrants haïtiens là. Immigrants ont arrêté et ont déposé yo, pour être capable de bailler. Donc, on va faire une autre idée sur le passage et qui non.
Nous là. Va a esperar que la hora sea un poco.